Yo tout le monde, ici HTGD76Gaming, on se retrouve sur Seven Deadly Sins Grand Cross, la version japonaise. Comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est le retour de la collab Attaque des Titans après 3 ans d'absence, hein, puisque sa première apparition datait de 3 ans. Ça date quand même, hein. Donc avant d'aller invoquer, avant d'aller faire le récap un petit peu des événements en cours, des récompenses que vous pouvez avoir, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche de notification et surtout de faire votre plus beau pouce bleu pour améliorer le référencement de la chaîne. On commence déjà avec le bonus d'événements de connexion. Vous pouvez récupérer jusqu'à 3 multi au bout de 14 jours. Normalement, la collab dure 3 semaines. Il y a 21 jours ici. Ensuite, ça, c'est les récompenses qu'on obtient classiques comme d'habitude. Dans la boîte aux lettres, il y a une seule chose qui va être très intéressante. C'est en fait ça. Vous avez 3 pendentifs SSR bleus, 6 médaillons SSR évolutifs, 125 ressources du boss originel, 3 tickets SSR et puis 5 diamants. Ensuite, vous avez 5 autres diamants pour la campagne de route 8. Et vous avez 2 diamants de compensation pour la maintenance. Du côté événementiel, là par contre, il y a un problème. Là déjà, je vois un problème. Ça marque, ça se termine le 14 septembre, mais on a quand même jusqu'au 21. Alors peut-être normalement, parce que vous voyez, il y a une deuxième partie, hein, vous avez les box de Hawk, hein, de récompense, hein, que vous pouvez ouvrir, qui vont arriver peut-être dans une semaine, ou peut-être à ce moment-là. Donc on verra bien d'ici là. Pour les missions spéciales, je ne vais pas vous récapituler, sauf juste que vous pouvez récupérer 2 autres multi ici, plus le lancer Levi, le Levi rouge, un très très bon Levi, hein. Et je vous redétaillerai tout ça dans la description de la vidéo. Ici, vous avez le mode histoire, il faut le terminer pour pouvoir valider une des missions spéciales. Ici, vous avez le bingo, c'est pareil aussi pour le bingo. Il vous faudra récupérer 10 récompenses pour valider la mission spéciale. Ensuite, les box de haut se débloqueront d'ici une semaine. Ici, vous avez le boss communautaire, donc c'est un titan, un géant, donc en fait, il est derrière un grand mur, et vous avez 4, vous pouvez utiliser 4 personnages pour l'affronter, normalement avec les personnages ultra pétés qu'on a, ça va pas être difficile de le dégommer assez rapidement, même en grosse difficulté. Vous avez plusieurs coffres pour les reliques qui sont cachés un petit peu partout dans différents événements. Je vais essayer de vous les détailler et vous le mettre dans la description de la vidéo, hein, dès que je saurai où ils se trouvent tous. Il y a des costumes et tout ça à récupérer. Bien sûr, vous avez un petit mode histoire. Alors, c'est pas un mode histoire, mais c'est un petit mode où vous allez affronter plusieurs ennemis. Vous allez pouvoir récupérer pas mal de diamants. Je crois peut-être une quinzaine, sans peut-être exagérer. Donc, allez le faire, c'est très très important. Il y a la boutique d'échange de King qui est de retour. Les gravures, bien sûr, quand vous les retirez, sont gratuites. Et le coût des gravures est divisé par 2, donc tout simplement moins 50%. Et là, ici, vous avez un petit peu les trucs habituels, double XP, réduction de l'endurance en utilisation. Vous pouvez continuer un combat gratuitement. D'habitude, il faut payer 1 ou 2 diamants. Pour la première fois, vous pouvez continuer le combat gratuitement, à partir du moment que c'est toujours le même combat. Bien sûr, on va aller voir le portail pour aller invoquer dessus. Donc là, on a RN. Alors, du côté taux de drop. Donc, on a taux de drop boosté pour le nouveau RN et pour le nouveau Levi. Sinon, vous avez le RN classique. Donc, le RN SSR vert, c'est celui qui se transforme. Alors, dans les nouveaux personnages, bien sûr, ils ont enlevé cette mécanique-là parce qu'elle n'a jamais pu s'implémenter dans le jeu, hein. Vous allez qu'à demander à RN SSR vert et à Camilla, hein, de cette catastrophe. Le Levi rouge, excellent personnage. Mikasa aussi, qui n'a pas bénéficié d'une nouvelle version. Je ne comprends pas. Voilà. Ensuite, on a quelques personnages 7DS plus ou moins intéressants, surtout le Gozer rouge. Le Escalon rouge, je pense que peut-être s'il aura son LR, sera peut-être un peu plus intéressant. Ensuite, on a les 7 catastrophes. Je sais pas qu'est-ce que font les 7 catastrophes, mais d'après Iron, cette Roxy-là est vraiment excellente. Donc, voilà ce que ça donne au niveau taux de drop. Moi, bien sûr, je vais invoquer que jusqu'au 300. Voilà, je n'irai pas plus loin, puisqu'après je sais qu'il y a les tickets gratuits, mais sinon pour la plupart des gens, pensez qu'il y a 5 multi offerts. Donc 3 multi déjà, ça fait 90 diamants.
Ensuite, après, si vous en rajoutez 30, normalement, ça vous fait 140 diamants, je crois, un truc comme ça, si je dis pas de bêtises, ou un truc comme ça. Et 9, 10, 11, donc ça fait 120. Donc je sais même pas compter. Donc pensez à économiser 120 diamants, puisque vous avez les 3 multis pendant 14 jours de connexion, et vous avez les 2 multis qui sont offertes avec les missions spéciales. Écoutez, on va pas perdre de temps. Normalement, sur ce compte-là, je n'ai aucun des personnages, puisque c'est un compte que j'ai fait cette année, si je dis pas de bêtises. Et la collab est sortie il y a 3 ans. Voilà, tout simplement. Écoutez, moi je vais vous dire bonne chance à vous, bonne chance à moi, et j'espère au moins choper l'un des deux personnages. Sinon, franchement, n'insistez pas, hein, parce que c'est des personnages qui sont là temporairement, ils vont un petit peu changer la méta vite fait, mais après ce seront des personnages qui seront vite oubliés, hein, un petit peu comme Slime et tout ça, voilà, c'est même Rudeus, je sais pas si encore des gens utilisent Rudeus. Allez, c'est parti, let's go! Ok, on a Meliodas et Hawk. On n'a aucun signe particulier. Ok, on commence très très fort avec une tatane dans la figure. Allez, c'est parti pour la deuxième. On a encore Meliodas et Hawk. On a toujours la même animation. On va laisser passer, on sait jamais. Ok, tiré bleu. Encore un fail. Encore un milieu d'acier Hawk. Ah, on a une animation Lost Vein. Donc on est garanti d'avoir un SSR. C'est dommage, c'est pas repoussé. Tiré jaune. Là, je pense qu'on va avoir que des jaunes. Non. Ou pas. Ok, c'est tout de suite qu'on va le savoir. Alors ça, c'est le Levi rouge. Malheureusement. Ok, bon, tant mieux, hein, parce que je l'avais pas de toute façon. Hein. Et en plus, avec sa relique, ça va faire quand même pas mal de dégâts. Ok, on a Meliodas tout seul. On a les yeux qui brillent. Il y a la menace de l'avion. Allez, on repousse. On a un tiré jaune. Ça pète au milieu. Alors, où se trouve-t-il? Il est à 11 h. On va aller le chercher. Slider. Hunter. Jules. Je sais plus comment elle s'appelle, elle. Lui aussi, je sais plus comment il s'appelle. Le voici. Ok, on a le nouveau RL. Nickel, ça commence bien. Voilà, on n'a plus rien. Nickel. Nickel. Allez. On continue. On va essayer d'avoir le Levi aussi. Oh, ciel bleu. La tatane. La tatane. Patate de forain. Hein. Patate de forain. Hein. Qu'est-ce que vous voulez, hein. Mais bon. Milieu d'As encore tout seul, on a la petite broche. Ça sent pas bon ça. Deuxième tatane à la suite. Allez, peut-être comme on dit, jamais 203. Ça peut être possible. Hein.
Allez, let's go. Ah. Pas de signe particulier. Surpoussé. Donc il y en a un tiré jaune. C'est kiff-kiff. Donc je vous l'avais dit, hein, jamais 203. Hein. Je vous l'avais dit. Allez, les trois dernières multi. Mets le dacier au hook. Main de broche. Allez. Je sais pas si ça existe à jamais 204, hein, mais on y est parti. Hein. Bon, moi j'ai eu un des deux, c'est déjà ça. Oula, ciel bleu. Poussière repoussée. Ok, tiré jaune. Oh là là, c'est pas possible ça. Là, c'est un truc de dingue, quoi. Allez, la dernière. On a un tiré rouge. Ok. Allez, fais-nous plaisir là. Sors-nous beaucoup nécessaire. Allez, on repousse l'Albion, counter l'Albion. Ça avance bien. Alors, en haut les lignes, ça m'a l'air d'être un 7DS quand même. Allez, arc-en-ciel. Excellent, vas-y. Vas-y, traverse l'Albion. Impeccable. Allez, c'est bien, allez. On va finir en beauté quand même là. On va se faire plaisir. Oh là là, c'est pas beau ça. 3 SSR à la suite. Allez, la première. Bye bye. Ça, c'est quel gozer? Ah, c'est le gozer rouge. Bah oui, parce qu'il n'y a pas le gozer vert. Ça va être que le gozer rouge. Ok. Bah écoutez, il est tombé. J'ai les deux persos. Les deux persos. Bah, fallait une cette catastrophe. Estine, hein? Estine. Eh. Nickel, hein? Ah, bah je l'avais pas, la Estine. J'avais pas la Estine. On a le Levi, le nouveau Levi, et qu'est-ce qu'on va obtenir là ici? Ok, on a Estine rouge. Bah écoutez, là il me reste plus qu'à faire les 5 multi gratuites et ensuite après bah voilà. Hein. Donc là j'ai plus de pépettes, hein, j'ai plus de ressources, donc là il va falloir que je fasse le plein pour le prochain festival. Donc je sais pas quand est-ce qu'il va arriver, mais en tout cas j'ai été très très chanceux sur ce compte-là. J'en ai encore d'autres. Il faut que je fasse les invocations, mais en tout cas au moins sur un de mes comptes japonais, au moins j'ai les deux nouveaux personnages. Ensuite après bon bah avec peut-être de la chance je choperai peut-être la Mikasa et l'ancien Eren. Pour le Levi rouge bah j'en ai eu un. Au final il y en a un que tu peux obtenir dans l'émission spéciale. Donc honnêtement ouais, honnêtement je suis content. J'ai été très très chanceux. J'ai un peu gueulé, désolé. Mais bon, quand t'as 5 à la suite, 5 fois à la suite des fails, bah ça énerve un petit peu. Ça énerve quand même un petit peu. Bah écoutez, j'espère que vous avez été aussi chanceux que moi. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à liker la vidéo. Et surtout de ne pas oublier d'activer la petite cloche de notification pour ne pas rater les futures vidéos de la chaîne. Écoutez, moi je vais vous laisser. Passez une très très bonne matinée. Et je vous dis à très très bientôt sur la chaîne. Ciao, ciao!